Il va encore une fois pouvoir relancer. Ça va très vite vers l'avant. Lucas Nevich en bas. Et la transition bien jouée. La part du Pierre Pelos. Qui trouve Thibaut Draval braqué. Lucas Nevich qui va donner à l'opposé. Zach Pitcock en bas avec Pierre Pelos. Le fade away. Ah, la tire Nowitzki pour Pierre Pelos. Et ça rentre. Babacar Touré. Et la passe magnifique, et parce qu'il s'est blessé assez tôt à la suite dans la préparation. C'est un joueur qui a du talent, et là ça s'est complètement ouvert la brèche. Un garçon qui est chaud dans ce début de match, c'est Pierre Pelos. Il est impeccable, et regardez, ça continue avec le ballon volé. Il est impeccable. Et regardez, ça continue avec le ballon volé et les deux points supplémentaires. Le plus gros écart, il est là. En termes de statistiques, Bourque est à 46% de réussite à 3 points, 40,8 pour l'équipe de Limoges. Mais il n'y a pas que les 3 points, évidemment, il y a l'efficacité aussi. Il va rester 7 secondes sur cette possession, bien joué par la ligne de fond. Qui est contré par Pierre Pelos qui scotche ce ballon sur la planche. 30 points inscrits déjà pour Dijon. Pierre Pelos pour Maxime Courby. En fin du mouvement. Bon, on est prêt, hein. Chaque fois qu'il commence à dribbler, on se dit, Dia, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça se pardonne facilement. Ouh, bon tir d'Aceric dans l'axe. Et Laurent Leniam. Totalement en contrôle. Avec plus 23 au maximum. Les gars, ils font toujours le même système. Ed, Zipper, là. Sometimes he don't play. Une très très forte équipe de Dijon. On va vous donner le classement évidemment à la fin de cette rencontre, mais on aura un nouveau leader. Et accordé pour à la fin de cette journée. Si l'écart est en train de se réduire un petit peu dans cette fin de match. Sur le shoot. Mais finalement vous êtes petite nature, hein, contrairement à ce que vous dites, Fred. J'ai jamais dit que c'était autre chose qu'une petite nature, moi. Regardez quelle passe. Passe de Courby avec la faute cette fois. Le jeu c'est Pelos. Parce que la passe, elle est vraiment pas facile. Wasn't me. Allez, Benitez. Pelos, encore une fois. Par contre, il met celui-là, oh, c'est chaud. Et Pierre Pelos, hein, quand il a sorti la balle, qui a quand même tapé un peu le dessous du cercle. Et... Oh, Pelos, oh, avec rage. Avec Johnson Odom au début de l'action. Right. Et là, Wright qui y va. Mais Courby. Ah, oh, la passe à terre, Pelos. Pelos qui est... Jack Wright encore une fois, Pierre Pelos. Pierre Pelos qui a feinté le main à main et qui allait attaquer Jimmy Taylor. Profiter de ses deux fautes et passer sous le cercle pour marquer deux points. Jack Wright de nouveau. Jack Wright qui retrouve Pelos. Il va le prendre, non, celle-ci, la fin de tir, il a fait sauter Dominique Archie, mais il sait aussi aller marquer. Damien Bouquet qui était à 12,5% à 3 points. Il en a mis 2 sur 2, je crois, ce soir. C'est exactement ça. Là, il me semble qu'il doit y avoir un contact sur le flotteur. Et la dernière possession, Andjusic. Allez, celle-là, celle-là n'avait pas été signée non plus. Mais Pierre Pelos qui va marquer le rebond offensif au buzzer de ce troisième carton. Courby passe à terre vers Pelos. Au poste, il y a l'aide de Kaba qui vient. Mais regardez sur ses petits pas. Son meneur déjà à 19 points. Pelos. Pas mal non plus, ça move. Encore l'hésitation. Le oh, il fait tout, Pierre Pelos. Et Pelos qui demande à... Oh là, il s'est bien servi de l'appel de son coéquipier pour conclure. Magnifique, joué, magnifique dunk de Pierre Pelos, ça c'est très très beau. Et très malin sur ce qu'on appelle le end-off. Bon, finalement, il s'est résolu à un mouvement offensif. Tout le monde touche la balle, c'est bien pour un tir à 3 points. À nouveau réussi, cette fois de Pierre Pelos. Ça ne paye pas, c'est dommage. Ouais, 2 sur 8 à 3 points, et là, Max Roby qui a fait sanctionner, mais attention, ouh, au marché, non. Pierre Pelos. Peut-être qu'il la passe juste à temps à Alan Omic qui a claqué un gros dunk dans la peinture. Allez, Omic qui fait un petit peu le... Le show. Le show, effectivement, heureux. Et depuis 2012 à Bourg-en-Bresse. Regardez l'interception. Aujourd'hui, directeur sportif et la PP. Ouais, et il y a une faute de Tony Rotten. Je pense que les arbitres sont en train de se concerter. Et la faute, elle est après, elle est de Tony Rotten sur... Benitez en tête de raquette. Benitez.
Ah, il voulait rentrer peut-être tout seul. Du coup, Maxime Courby à 3 points. C'est envoyé par Lefer. On le sentait un peu tordu, mais Pépé a réussi là. Regardez, Pépé, oh, la comme doublette. C'est bien joué. Pelos, Max. Ah ouais, les deux copains de chambre hein, qui. Et la belle passe de Pépé là dans. Andjuzic avec Pelos face à Tyvon Myers. Là encore un mismatch. Et Pelos qui passe. Allez, on est sur le jeu de prendre des risques. Allez, dernière minute. Pelos. Tête baissée, mais ça rentre. Un peu naïf aussi. Les là, deux équipes. Qui a mordu à la fin. Hugo Benitez qui est sur le terrain. Carvelos qui est trouvé dans la raquette et là qui peut inscrire de nouveaux paniers. Au buzzer. Ouais. Tranquillement être en train de boire un petit verre de Chablis devant le match en attendant évidemment le double écran avec la rencontre du PSG. Attention, Pelos là qui rentre tout seul au dunk et qui peut. Seul là, il a été très bien trouvé par Alenovic. De trapper. De contre, ça s'agite un petit peu. Attention, ça Pierre tempère. Pelos à 3 points. Oh, c'est pas possible ce tir de Pelos sur la tête de Caboclan. Déposer ce ballon dans le cercle, regardez. Le sang-froid. Là voilà, il a pris le tir à 3 points sur la tête tout à l'heure. Je pense que ça l'a. Pas que ça l'a vexé, mais voilà, il veut montrer qu'il est là. Oh, Pierre Pelos qui tape du poing, il voulait la faute sur. Intelligent ouais, et c'est solide. C'est fort ce qu'il nous propose Michino aussi ce soir. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé, le repli défensif. Pierre Pelos. Un petit peu désabusé. Et l'interception, la revoici. Pierre Pelos qui envoie la balle direction Andouzi. Chose vers Peacock. La fin d'écran. Pelos, il a pris de vitesse. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort de haut panier lui aussi. Il ressort ce ballon pour Pierre Pelos. Ah, il va le jouer là, il faut qu'il le joue. Pierre Pelos, dos au panier, que fait-il Pierre? Ça rentre ça. Ça rentre pour Pierre Pelos. Le Gersois qui redonne l'avantage au Bressan. Ça ne plaît pas au coach de Bourg. Hein. Non, c'est qu'on perd beaucoup de ballons côté Bourg. C'est ça, à 3 points, et ouais, de l'adresse. C'est sa spécialité. Hein. Il va shooter à 3 points en Andouzic. Il va shooter à 3 points, c'est la seule chance désormais pour Bourg. Et non, finalement, il a attaqué le cercle. Jones, et le Hanouan, mais c'est pas possible, les Choletais. On pense qu'il a l'avantage, mais il l'a pas eu. Parce que Léopold, c'est pas un gars qui est très. Et 6 secondes pour les Burgiens. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a pas vu, Andjuzic, qui avait 3 secondes. Mitch. Pelos qui va devoir le prendre. Oh, le diable. Andjuzic. La passe pour qui? Pour Wright, Pierre Pelos. Il essaye de rentrer. Vous avez un vu petit comme peu ça se force. Ouais, vous avez vu Didier. Ah, le N1 pour Pierre Pelos là. Ah, la GL doit aller provoquer des fautes justement. Là, il va falloir shooter, ça va être compliqué. Pierre Pelos. Ah, ils font tourner le chrono et il prend le shoot. Pierre Pelos. C'est la chance, la chance, Pierre Pelos. Donc on se retrouve avec une dernière possession et peut-être une dernière tentative. Et c'est Pelos avec des doigts de fée qui attrape ça pour pouvoir mettre son panier. Égalité au score parfait, 78 partout. Benitez et le face Falfay qui mange sur la tête le dunk de Pierre Pelos. Et la tête la redonner à Andouzic. Non, il préfère le jouer avec un petit step back, mais c'est compliqué. Mais Pierre Pelos, il va falloir vite shooter. Et le N1 pour Pierre Pelos qui se bat dans la raquette avec ce rebond. Fort défendre de Gozin là qui essaie de lui piquer le ballon. Il ressort pour Zach Wright, l'extra passe. Non, Max, Pierre Pelos qui va avec la planche.